Mayeli Soussou. Le 29 avril 1968 à Kinshasa, le Congolais Alain Makaba, dont voici l'un des chefs-d'œuvre, est arrivé à la musique très jeune. Pareil pour ses amis Didier Massala et Werason, qui habitaient le même quartier que lui, le quartier Bandal à Kinshasa. C'est là qu'ils créèrent en décembre 1981 l'orchestre Wenge Musica, avec Alain Makaba à la guitare solo, Werason à la rythmique et Didier Massala à la basse. Une ossature que viendront renforcer J.B. Piana, Adolphe Dominguez et Blaise Boula. À l'époque, ils étaient tous au collège et leurs parents devaient alors spécialement à ce que la priorité des priorités reste les études. La musique, c'était juste bon pour les week-ends et pendant les vacances scolaires. Qu'à cela ne tienne, nos jeunes artistes sauront s'y adapter. En 1989, ils sortent Moulolo, leur tout premier album. Alain Makaba y signe personnellement le titre Sisol. Un an après, l'orchestre est attendu à Paris pour une tournée européenne. Seulement voilà, au départ de l'aéroport de Kinshasa, quelques éléments du groupe, et non des moindres, sont interpellés par la police. Parmi eux, Alain Makaba, Werason et J.B. Piana. Leurs passeports étaient des faux. Pendant 8 jours, ils seront alors gardés à vue dans les locaux de l'émigration. 8 jours à passer ensemble donc. Eh bien, tant qu'à faire, se disent-ils, occupons-nous. Autour d'un texte de J.B. Piana, Alain Makaba prend alors sa guitare et Werason de les accompagner. Et là, youpi, ça marche. Amawa, Nakatawele, Werason, Alain Makaba, J.B. Piana, Debouli. Voilà comment est née la chanson Qui m'est bougé, qui donne le nom à l'album que Wenge Musica sortira en décembre 90 à Bruxelles. Fort de ce titre Qui m'est bougé, mais aussi des autres titres non moins bien inspirés, tels Ngoma Magi de Roberto, Casquine de Werason ou encore Princesse de Alain Makaba. Fort de tous ces opus donc, le deuxième album de Wenge Musica va longtemps caracoler au sommet du hit parade africain. Un véritable sacre que viendra renforcer en 1992 l'album Kalaï Bwing, là où Alain Makaba signera la chanson C'est trop tard. En 1994, Wenge Musica est à Paris. Il gratifie le public d'un troisième album, Les Anges Adorables. Alain Makaba y signe 2 titres, Tunatina et Douglas. Un an après, en solo, il sort l'album Pile ou Face. Et là, on le voit dans toute sa dimension d'homme orchestre. Wenge Musica et lui, ils se retrouveront à nouveau à Paris en 1996. De ces retrouvailles naîtra la même année l'album Pentagone. Alain Makaba y signe Dizo Izo. Avec cet album, Pentagone, tout semblait alors bien relancé pour Wenge Musica. Mais c'est alors que Werason, Didier Massala et Adolphe Dominguez en claqueront la porte. C'était dans 1997. Ils s'en vont créer Wenge Musica Maison Mère. Alain Makaba et J.B. Piana, eux, se maintiennent à la tête de ce qui va désormais s'appeler Wenge BCBG. Autrement dit, Wenge Bon Chic Bon Genre. En 1998, BCBG sort l'album Titanic et sur ce, les relations entre J.B. Piana et Alain Makaba s'étant sensiblement dégradées, ce dernier tire sa révérence à l'orchestre et depuis, il se fait on ne peut plus discret. Si on veut, ouais, discret, parce que
J'ai un proverbe que j'aime beaucoup dire, c'est « Nulle part l'esprit ne manifeste mieux sa puissance ». C'est là où il s'exprime pour tâcher de comprendre, quoi. Tu vois, j'avais plein de choses à faire parce que je suis un perfectionniste et cet esprit de perfection là, je l'utilise un peu dans tout et pour tout. Donc, comme j'avais encore d'autres trucs à apprendre, notamment sur moi-même, faire un travail d'introspection, c'était tellement important pour moi. Et donc il fallait que je me fasse un peu rare comme ça pour recharger mes batteries, quoi. Parce que pendant 17 ans avec le Wenge, je crois que j'ai vraiment, vraiment donné, je me suis dépensé, j'ai donné toute mon énergie, il fallait que je récupère ça. Maintenant que les batteries sont bien rechargées, Alain Makaba nous revient avec un nouvel album, Yaku Domine. Enregistré à Bruxelles, dans le studio que l'artiste a installé chez lui à la maison, Yaku Domine, dont voici un extrait, est sorti à Paris le mois de décembre dernier. Nicole Lepage.